Par ailleurs, le fonds d'entretien routier a un nouveau DG par intérim. Son directeur général a été congédié ce jeudi après un audit sur sa gestion dans le cadre de l'opération Main Propre lancée par le gouvernement ivoirien. Pour rappel, Lansiné Diaby était à la tête de cette structure depuis 2017.